balance.
Merci, BD1. Envoie par ici. Merci. J'ai besoin d'un steam. Merci. Thank you.
C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'Ordre Jedi.
Salut toi. Alors, on se fait des amis ? Envoie par ici. C'était moins une. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise ! C'est quoi ça ? Vire-toi mon canapé ! Ouch ! Descends de là ! Allez, fiche le camp ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Efaux. Ok, très bien. Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi ? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant ? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Préviens-moi quand tu voudras partir. Thank you.
grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Ça commence à pousser. Vous sentez encore la force? Oui. Mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. Une seconde. Tu veux aller où? Allez, on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Tatomir? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force, appelées les Sœurs de la Lune. Elles maniaient la Force? Quoi, comme les Jedi? Non. Elles servaient leur propre intention. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion. Manipulation. Ah, ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Ah, on approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Est dangereux, voire mortel. Je suis prêt à tout affronter. J'en suis certaine, Cal. C'est pour cette raison que BD1 t'a donné les informations de Cordova. C'est une chance de t'avoir. Une seconde. Vous savez quelque chose sur les Sœurs de la Nuit de Datomir? Très vaguement. Beaucoup de Jedi ne connaissaient pas leur existence. Mais être l'apprenti de Cordova avait certains avantages. Il les a toujours trouvées intéressantes, comme la plupart des cultures anciennes. Et vous en pensiez quoi? Je ne suis jamais venue ici. Je n'en ai jamais eu envie. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près à ce moment que nos voies ont commencé à diverger. Les ténèbres ont toujours un effet d'une façon ou d'une autre. Tout va bien, Grise. Ça va aller. T'es avec des Jedi. Il t'arrivera rien.
Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical. Encore un ? Beau travail.
T'as trouvé quelque chose, BD1? Chonos la lendenite iloriolie. Une sœur de la nuit qui pratique son art. Ça a l'air sympa, le jardinage. Tout va bien, Grise. Ça va aller. T'es avec des Jedi. Il t'arrivera rien.
On y va? Génial. J'aime pas rester à rien faire. En route vers Zepho. Tu te souviens de moi? Je suis venu sur Bogano pour trouver mon ancien maître Ino Cordova. Ravi de te revoir aussi. Vous avez dû passer beaucoup de temps isolés tous les deux sur cette planète. Il a dû partir juste après t'avoir activé. Est-ce que tu te rappelles la dernière chose que Cordova t'ait dite? Bonne chance, Jedi. Que la Force soit avec toi. Le journal laissé pour Cal. Il n'y a rien d'autre? Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Dedans, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hé, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Zepho, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Zepho et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Beau travail. On a réussi, on l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais à qui tu parles? Là, au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Je t'apprendrai peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix, si tu veux. Bel atterrissage. Hein? Oh ouais, c'est pas grand-chose. C'est plutôt facile pour un pilote de ma trempe, surtout avec un super vaisseau comme celui-là. Et cette beauté m'a presque rien coûté. Enfin si, je l'ai payé, et si on veut. J'ai fait un petit crédit, pour être honnête. Un crédit de rien du tout. Un très gros crédit, en fait. Non, c'est bon, t'inquiète pas, non, tout va bien. T'as pas des trucs de Jedi à faire, là? Mets-toi au boulot, petit gars. T'es resté seul longtemps avec Serré? Ah ouais, on fait la paire. Et toi? Combien de temps t'as passé seul sur Braca? J'étais pas seul, il y avait... des gens. Des amis? C'est dur d'avoir des amis quand on a des secrets. Non, oh, t'as rien raté. Tu sais, les amis, c'est surfait. Il a dit quoi exactement? Il a dit qu'on était tous ses amis. Oh, bah c'est plutôt sympa. Parfois, tu me fous les jetons, petit gars. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûr que tu me comprends. Prof.
Un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. BD1 est un super droïde. On dirait bien qu'il s'est attaché à toi. Cordova devait vraiment aimer les droïdes. Pour confier des informations aussi importantes à BD1. Je suppose qu'il a choisi BD1 parce qu'il avait besoin d'un outil pour stocker des informations codées. Ces droïdes d'exploration sont performants pour ce genre de choses. Mais celui-là m'a l'air d'être plus que ça. Un instant, je tente de rassembler mes pensées.
Fais attention, Denis. Ils ont l'air dangereux. Tu m'entends? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Je vais aller voir. Impossible de passer. Doucement. Qu'est-ce qu'on a trouvé?
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais regarder ça. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on a trouvé ?
Un scan? Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une boîte de Steam. Ouais, ici.
Attends, tu peux en prendre plus? Merci, BD1. Bien joué. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Attaquez la cible! C'est pas une cible facile! Repéré.
ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. Tu ferais mieux d'y aller, Cal. Maintenant que l'Empire est ici, c'est une course contre la montre. Steam serait bienvenu. Ça fait du bien. La pause est finie. Bien entendu. Attaquez la cible! Attrapez-le! Que ce quelque coup! Toute l'escouade a péri! C'est là que tu t'arrêtes!
écarté. Tirez pas n'importe où. Je prends la tête de la poursuite. Allez-y. Je peux pas l'atteindre. Mais surtout ne pas le laisser m'atteindre. C'était moins une. Beau travail. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Thank you.
quelque chose d'utile ? Ok. T'as trouvé quelque chose, BD1 ? Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les effets que je ne l'aurais cru possible. Thank you.
J'ai besoin de soins, Bélier. Ça aide. Un problème. Merci, BD1. Thank you.
Hey, BD1. Tu as l'air content. Ça va comme tu veux? Bon, super. Tu as l'air content. Hey, BD1. Je m'assure que ça va. Ça va comme tu veux? Bon, super. Steam, BD1. Est-ce que tout va bien, BD1? Alors tant mieux. T'as trouvé quoi? BD1. Je vais bien. Approche. Tu ne déconcentreras pas, Jedi. Je tire sur l'ennemi. Visez, tirez. Je crois que j'ai pas le choix. Oh, pitié, me fais pas de mal. Te relève pas.
Le Jedi est là. J'ai compris. Tirez, restez mobile. Je vais la voir. À terre. Tu les as tous tués. Non, rien à faire. T'as trouvé quoi ? Je dois me faire soigner. Envoie par ici. J'ai eu chaud. Myriana, veille sur notre Sienna. Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte les artefacts de Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être.
Villageois a été blessé, mais il a eu un Stormtrooper. Besoin d'un steam.